avec un accessoire indispensable, le parasol, pour se protéger des méfaits des UV. Nous sommes partis en quête d'un produit plus écolo, plus vert, plus durable. Caroline de Juglar, Bruno Marquet et Gaspard Poirier. Il en existe de toutes les couleurs, toutes les formes. Comme celui-là qui est rond et de couleur beige, ou ce modèle rectangulaire de couleur rouge. Il y en a aussi pour tous les prix. Les parasols coûtent entre 50 et 500 euros dans cette grande enseigne, mais au-delà du prix, un critère semble s'imposer dans le choix des clients. Et les gens, effectivement, de plus en plus sont vraiment intéressés pour des produits plus durables, des produits qui sont réparables et qui vont leur permettre de garder leur parasol vraiment très longtemps. Et le pire ennemi du parasol, c'est le vent. Chez Thierry, la vue est belle, dégagée, mais la terrasse est très exposée au mistral. Après plusieurs parasols envolés ou cassés, il a investi dans ce modèle flexible. Dès qu'il y a du vent, le parasol va s'ouvrir de cette façon-là. Le vent s'arrête, la natte retombe. Mais au-delà de la solidité, c'est la possibilité de pouvoir réparer son parasol qui a séduit Thierry. Chaque pièce est détachable et donc facilement remplaçable. Inutile de racheter la totalité du parasol en cas de problème. Alors effectivement, dans le cadre du recyclage aujourd'hui, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des parasols qu'on peut entretenir, qu'on peut garder dans le temps. Cette technique brevetée est développée dans cet atelier marseillais. Ici, tout est fait pour optimiser l'impact sur l'environnement. Jean travaille actuellement sur un nouveau prototype de manivelle. Et donc ça, c'est le résultat. On passe de ça à ça en taille. Bon, beaucoup moins d'impact de production par rapport à cette pièce-là, qui utilise quasiment deux fois plus de matière pour être produite. Des innovations lumineuses pour être à l'abri de toute culpabilité. Car après tout, l'essentiel pour Thierry... On peut prendre l'apéritif sereinement.